Bonjour à tous, c'est Gabin et Lily. On est sûr que vous allez bien. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Alors aujourd'hui Gabin, on va faire 24 heures dans ta voiture. Et oui, regardez ma voiture que vous avez peut-être déjà vu dans la précédente vidéo. Et oui. Où je vous montre que j'ai eu le BSR qui... Du coup ça y est, j'ai appris à conduire et tout. Et du coup aujourd'hui je me sens prêt pour faire un 24 heures à l'intérieur de ma voiture. Pas 24 heures où je roule, 24 heures où on va faire plein de trucs dans la voiture, ouais. Donc regardez, j'ai les clés. Je suis bientôt à 450 km de roulage, de route. Et du coup, on est prêt à faire ce 24 heures. Maman, es-tu prête à le faire avec nous? Parce qu'il va falloir que tu fasses un peu l'associé, parce qu'on n'aura pas le droit de descendre. Oui, d'accord. Ok, oui. Ça c'est un ouais très négatif. Ouais, clairement. Et du coup, Lily, tu vas rester place passager, moi je vais rester place conducteur. Et on va essayer de transformer cette voiture sans permis en un magnifique caravane. Du coup, une maison quoi. Et j'ai fait un truc, c'est que j'ai téléchargé une application pour savoir toutes les bornes pour me recharger. Parce que c'est une voiture électrique. Tout à fait. Allez, c'est parti. C'est parti. On va chercher un petit peu tout ce qu'il nous faut. Et pour terminer, ma prise, mon rallongeur au cas où je suis loin de la borne. Et mon câble pour pouvoir la recharger et je mettre tout ça dans le coffre parce qu'après c'est beau. Et du coup regardez, tout ça on a mis dans le coffre. Donc il y a une couverture, des oreillers, une rallonge, des chips, des gâteaux, une switch. Et moi du coup je vais enlever la plage arrière pour qu'on puisse passer des sièges à l'avant au coffre. Donc après on essaiera d'aménager un petit peu le coffre pour faire un petit room tour après. C'est bon, on a les tous les coussins. Attends, mince, la plage arrière. J'ai oublié de l'enlever. Oui, quel. Il ne reste plus qu'à faire une seule chose, c'est l'organiser parce que... C'est n'importe quoi là. Là c'est un petit peu n'importe quoi. Donc c'est Lily, nous sommes partis pour faire ce 24 heures dans la voiture, qu'est-ce que t'en penses? Bien, mais par contre je veux bien quand même qu'on fasse du rangement parce que regarde. C'est vrai que le rangement on en a un petit peu besoin. On va essayer d'aller au McDo tout à l'heure. On va essayer parce que vous savez tous qu'on habite à la campagne et le premier McDo se trouve à Perpète. Il se trouve hyper loin, c'est pour ça qu'on mange pas très souvent au McDo. Du coup on va ranger un petit peu. Alors comment est-ce qu'on va s'y prendre? Moi je vais enlever les chaussures pour éviter de salir les sièges déjà. Vas-y, alors attends, c'est moi je recule un peu mon siège comme ça. Attends. Là, attends, on essaie de ne pas desserrer le frein à main parce que comment t'expliquer que si on desserre le frein à main, vraiment... nous sommes en descente, donc la voiture va partir toute seule. Ah là là, on est des gros tarés. Attends. Aïe aïe aïe, je suis coincé. Hop là, comme ça. Cool, ils se baissent les trucs. Par contre, le seul truc qu'on a oublié de vous dire, c'est que pour manger, on a que des bonbons et des gâteaux. Et est-ce qu'on a pris à boire? Non, pas. Du coup, nous serons obligés de prendre un Carrefour Drive pour qu'on se gare et que la dame vienne nous mettre le truc dans le coffre et on ira prendre des boissons. Par contre, on a un énorme paquet de chips. Ça va. Ça, c'est... encore. Donc, on aura deux fois plus de boissons. T'as pris tout ça comme chips. Oui, voilà. Oh là là, c'est... Je prends 24 kilos en 24 heures, en fait. Mais je te jure, on rentre à deux, là, dans le coffre. Hein. C'est quoi ce truc? Mais qui un jour m'avait dit, Gabin, à 14 ans, tu auras une voiture sans permis, tu vas faire 24 heures à l'intérieur. Toi, tu dormiras devant, moi, je dormirai derrière. Attends, j'ai oublié le triangle. C'est quoi ça? Tiens, alors, attends. Ouais. Oh, la place qu'il y a, en vrai. Je suis en train d'écraper les chiffres, c'est vraiment n'importe quoi. Tiens, oula, oulala. Là là. Ouais, mais encore tout ça comme tout ça. Oui, tiens, mais trop ça sert en même temps. Attends, j'enlève le coussin rouge. Pourquoi je le coussin rouge. Lance. Ça va? Ça va. Bien sympa aujourd'hui. Oh, merci beaucoup. Super. Bon, on est désolé, on doit rester dans la voiture. Hein. C'est quoi ça? On doit rester. Habite ici. On habite ici pendant 24 heures là. Du coup. Et bonne habitation. Merci. Salut. C'est quoi tout ça alors? Regarde, il y a 4 lettres d'abonnés. T'es sûr que c'est tous des lettres d'abonnés? Oui, mais c'est tous des abonnés. Ouais. Je les mets. Et alors Sam, j'ai un doute, mais je sais pas vraiment. Alors, c'est quoi ça? Ça c'est Gabin Lily, ça se trouve c'est un colis d'abonnés? Ouais, je sais pas. Ah oui,
C'est un jeu que j'ai commandé. Picture Show. Oui. C'est quoi? C'est un jeu où il faut faire des ombres chinoises. Ah oui, regarde, attends, là, il y a quelque chose là. Allez, aide-moi. C'est les ombres chinoises. Attends, je t'aide. Yes. Picture Show. Ouais, c'est un jeu où en gros il faut faire des ombres chinoises et que du coup en gros il y a quelqu'un qui fait deviner à plusieurs personnes qui sont autour de lui et ben justement des choses avec des ombres chinoises. Ah oui, d'accord, donc c'est en bien. Gros, là, ici, donc là il y a deux baguettes pour faire deviner les choses. Ouais. Ah là, il y a les cartes, mais c'est un jeu, il faut faire des parties avec d'autres gens. Oui, oui. On peut jouer à 8 joueurs, c'est-à-dire il y a 7 joueurs qui devinent et un qui... Carrément cool, on testera ça tout à l'heure. Hein. Ah bah, obligé. Bah carrément. Et attends, du coup, attends, les lettres d'abonnés. Tiens, hop. Ouais. Hop, moi j'ouvre la petite. Alors, ça c'est... Attention, de la part de Sixtine, pour Gabin et Lily et la famille. Ah bah, moi c'est de la part de Candice. Bon. Oh, c'est mignon. Ah, c'est les dessins kawaii. Oui. Salut Gabin, Lily, à toute la famille, j'espère que vous allez bien. Pardon si ça fait longtemps que je ne vous ai pas écrit, merci pour l'autographe. Je vous ai vu au Gulive avec Lenny Kim, c'est mon chanteur préféré. J'adore vos vidéos, je vous adore, Sixtine. Bisous à vous, au Gulive et à Lenny Kim. Attends, je tiens à préciser que là, c'est écrit « Je vous ai vu à Disney Studio le 29 octobre, mais Lily était en train de faire une vidéo, donc je ne suis pas venue vous voir. » Faut venir nous voir, faut que vous veniez nous voir dès que vous nous voyez. Donc attends, les deux premières lettres. Oh, hop. Oh, c'est beau ça. C'est marqué pour Lily, hein, parce que ça c'est pour Lily. Toi, hein, Gabin. Est-ce que c'est marqué pour Gabin un endroit? Non. Mais... Et surtout, pensez bien à mettre vos noms de famille, enfin genre vos adresses. Vos adresses avec tout ce qu'il y a pour qu'on puisse vous répondre. Et attention là. Ouais. Bonjour Gabin et Lily, félicitations pour le BSR. Bah regarde, ma voiture. Wow. Je m'appelle Kevin. J'aimerais bien qu'on soit amis. Hashtag je pourrais vous inviter chez moi un jour. S'il vous plaît, bisous à la maman. Ouvrez la lettre en vidéo. Elle précise de ne pas la lire en vidéo. Eh bah du coup tu la lis pas. Yeah. Elle a mis des photos de nous et tout, c'est ouais, carrément dommage, c'est super stylé. Et tout. Quand les abonnés ne veulent pas qu'on lise en vidéo, bah on respecte, lira pas. Hein. Bon, ça je peux me montrer je pense. Hein. Bah oui, ça voilà, elle nous a pris nos pop. Et attention, qu'est-ce que c'est le deuxième papier? C'est pour moi à mon avis. Oulala. C'est la photo à Bigumi. C'est la photo qu'on avait fait à Bigumi il y a un an et demi à peu près. Ok. Et bah merci beaucoup. Cool. Et du coup bah, le jeu qu'on a reçu, donc Picture Show, on y jouera tout à l'heure hein. Bah ouais, bah écoute. Moi j'ai à attendre tout à l'heure. Carrément, bah du coup on attendra qu'il fasse un peu plus nuit pour y jouer parce que c'est vrai que là si c'est des ombres chinoises, il va falloir y jouer tout à l'heure. Donc toi tu te reposes, tu regardes quelque chose parce que là prochaine étape c'est manger, donc prépare-toi, on va bientôt aller manger. Donc allez hop, parti, où est-ce que je le mets? Bah pour l'instant je peux pas... Ah si, on va rouler pour aller manger. Donc hop, c'est bon, je l'ai posé là. Et du coup bah voilà, on peut se reposer un petit peu. Là de toute façon, ok, bon, on va pas repartir tout de suite. Du coup parce que ça fait vraiment pas longtemps qu'on a commencé. Du coup bah on se repose, je vais prendre mon téléphone et on se repose. Nous sommes partis là Lily. Ça y est. Voilà. Là, attends, c'est combien là? Nous sommes partis pour aller au McDrive. Donc vu que je connais pas hyper bien la route, il va falloir mettre le GPS. Tu me l'actives Lily? Ouais. Je crois que j'avais déjà rentré l'adresse, donc t'as juste à monter le son pour qu'elle parle la madame. Normalement c'est bon. C'est elle bon va, elle parle peut-être pas maintenant mais elle va parler après, je pense. C'est vrai que là il n'y a pas à tourner, il n'y a pas de route à prendre, à bifurquer ou quoi que ce soit. Ah bah t'inquiète pas, on est dans une demi-heure au McDo. Il est 13h06. Bon Gabin, t'as bien vérifié s'il y avait personne là-bas. Continuez sur Détroit pendant 18 km. Du coup là il y a le GPS qui parle. Donc regardez, en plus la voiture c'est trop cool, il y a un GPS. Donc du coup là ça y est, nous sommes partis pour aller au McDo. J'ai faim. Ouais, moi aussi. Je suis à 36 dans la montée. Soleil, on met le pare-soleil. Ah bah on a pensé à la même chose en même temps. Et là c'est parti. Ah non, ça va être bon, il y aura pas de
manette plutôt. C'est la petite manette là pour relever mon siège. Non, mais tu sors pas le frein à main, hein. Non, le frein à main c'est le contrôle. Ouais, non. Parce que j'ai cru qu'elle allait me serrer le frein à main, je me suis dit oulala. Oui. Ah, j'aime bien, je suis bien. Personne pour prévenir. C'est bon, là on peut rouler, il n'y a personne. Ok, donc ça y est les amis, nous sommes arrivés au McDrive. Donc nous arrivons au McDrive, parce qu'on n'a pas le droit de descendre de la voiture. Ouais. Du coup là ça y est, je regarde un petit peu pour... Regarde où on s'arrête, c'est magnifique. Donc regardez là, ça y est, il y a vraiment tout ce qu'il nous faut pour aller au McDrive. Bonjour. Oui, bonjour. Alors il nous faudrait... Un triple cheeseburger. Oui, un maxi ou un bêta? Non, juste un triple cheeseburger avec un sundae nappage chocolat. Oui. Avec une moyenne frite, une petite potatoes et un coca en 40 centilitres. Un petit coca? Un coca moyen. Oui. 6 nuggets. Non, excusez-moi, ce sera 9 nuggets. Avec quelle sauce? Barbecue et ketchup. Avec cette bière. Quelques sauces pommes frites, s'il vous plaît. Oui, avec cette bière. Bah, ça sera tout. Une badoie. Et une badoie. J'ai soif, moi. Une moyenne ou une grande? Une grande badoie. Parce que sinon, ça on va pas survivre. Oui, ça sera tout. Ça fera 23,45€ pour plus. Il n'y a pas de problème. Bah ok. Pas très compliqué hein, la commande. Non, si un petit peu quand même, parce que moi je te dis 9. Bah ouais, non, tu m'as dit 6 et après 9. Oui, pardon, mais en même temps tu... Et après t'en revoulais 6? Non. Oh là là. C'est le bordel. C'était galère. Ouh, mais... On a fait combien, Lily? 23 km? 23 km, ouais, et il me reste 3 quarts de ma batterie, sachant qu'elle était même pas pleine. Et voilà, sinon à part vous dire ça, n'hésitez pas à aller vous abonner à ma chaîne YouTube iGab, parce qu'il va bientôt y avoir un room tour sur la voiture. Et puis après voilà, il y aura d'autres vidéos, des playlists dans ma voiture. On va faire des énormes courses avec Lily dans ma voiture. Un truc de dingue, mais genre quand je parle de grandes courses, c'est-à-dire que le coffre de 1000 litres qui a juste derrière, dans lequel on a mis tout un appartement, là il va être rempli, mais rempli à craquer. Et puis sinon, qu'est-ce que je peux vous dire en plus? Bah écoutez, bon appétit à vous si vous mangez derrière la caméra. Et puis n'hésitez pas à sortir les popcorns, parce que nous y sommes encore pendant très longtemps. La vidéo dure 24 heures, je vous le rappelle. Là. Attention, c'est le moment de payer. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir. Ah, mes petits pieds, voilà, génial. Oh, qu'est-ce que ça sent bon? Ça sent magnifiquement bon. Nous repartons pour la dégustation. Hop. Est-ce qu'on va avoir de rouler là? J'en sais rien. Ou attention, c'est un bolide. Mais oh, mes freines! C'est électrique, ça part trop vite. Voilà. Parfait. Nous allons manger. C'est brusque. Comment est-ce qu'on va faire pour s'organiser? Oui, bah tu oui. Pas passer dans le coffre un petit peu là. Si, bon. Passe dans notre magnifique. Mais je passe comment? Ah bah je suis obligée de passer par-dessus. Bah oui, alors attends, la technique. J'enlève mes choux. Tu me passeras tout, hein. Frites, potatoes. Ok. La base des frites. Aïe. C'est bon? Triple cheeseburger. Et moi, mais j'ai un peu faim quand même. Oh, c'est 9 dur. Chicken McNuggets. Merci. Je me sers pour ton coussin. De la sauce. Oui. Non, pas ça, c'est pas. Badois. Bon. T'as pris que ça? Non. T'as pris quoi? J'ai pris normalement un croque-madame. Bah non, t'as pas pris ça, hein. Si. Mais non. Oh, t'as pas demandé. Bah non, j'ai pas demandé. Oh, purée. Bah, tu manges des frites, alors. Oh là là. Ça va bien se passer, hein. Ok, donc là, c'est nous sommes partis pour aller manger un petit peu notre McDo, quoi. Du coup... C'est chaud et c'est bon. C'est chaud et c'est bon, le McDo. Voilà, c'est un repas très gras. Pas du tout bien. Quoi? Mais bon, moi ça vous permet de savoir que on peut aller dans tous les McDo avec cette voiture. Quel beau message. J'ai passé un message de dingue, hein. Ouais. J'aurais dit qu'on pouvait aller dans tous les McDo avec cette voiture. Et c'est rare en plus.
et puis aller. Oh, par contre, mais on moi, mange. Moi, je pourrais bien dormir là, sérieux. Hein, on doit dormir là ce soir. Hein. Salut tout le monde, donc là aujourd'hui je tourne avec Lily qui est dans le coffre. Une vidéo 24 heures dans ma voiture. Regardez là, je suis au volant de ma voiture. Et du coup, là je suis descendu à Sorbier pour aller manger un McDo parce que c'était un défi qu'on s'était donné. Du coup, là vu que on a 40 minutes de route pour rentrer à la maison après le McDo, et bah on va vous poser des questions. Enfin, on va vous poser une question. Posez-nous des questions quoi, en gros, auxquelles on répondra, mais pas sur Instagram, sur la vidéo. Donc comme ça, bah, et puis bah voilà. Donc bah, bon appétit à vous et puis n'hésitez pas à mettre un maximum de questions. Oh non, mon Sunday, la chavirée. Attends, je pose là comme ça. Ah mais il y a des trucs même dans les. Oh que c'est pratique. Est-ce que vous aussi vous faites tout ça? Je voulais vous montrer comment je suis bien installé. Donc là, oui, je sais, il y a une brosse. Mais voilà. Je voulais aussi vous montrer, regardez, j'ai gagné une petite frite. Oui, voilà, donc, il a gagné une frite. Du coup, on ira récupérer une petite frite. Ah bah oui. Et là, hop, c'est reparti. Allez, là, c'est parfait, il y a la poubelle. Passe-moi vite les affaires. Oups. Passe-moi vite tout. Faut qu'on jette par la fenêtre. Attends. Alors là... Tiens, ouh, pas de pratique. T'as tout désoligné. Parfait, allez, j'ai mis un 3 points. Magnifique. On monte la fenêtre. Et moi je dis que nous sommes partis. Ok. Qu'est-ce qu'on fait alors? Hop, 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 hop. Donc voilà, nous reprenons la ville. Bon, la voiture qui est devant se traîne un peu, hein. Hop. Et nous sommes repartis, les amis. C'est reparti. Ok, les amis, donc là, nous sommes en train de rentrer du McDo. Donc là, j'ai changé de pull, j'avais prévu un autre pull. Parce qu'en fait, comme on vous expliquait, la sauce creamy de luxe, elle a bien aimé mon pull. Ou mon pull a bien aimé la sauce. Et du coup, bah voilà, je l'ai mis dans le coffre. Et donc j'ai pas demandé à ma maman sûrement de le laver tout à l'heure. Du coup Lily, dis-nous un petit peu les questions et tout, qu'est-ce que ça en est là sur Instagram. Parce que souvenez-vous, vous avez fait peut-être quelque chose, enfin vous avez fait quelque chose sur Instagram. Qu'est-ce que t'as comme question? Il y a beaucoup de questions sur quoi? Sur ouais, ma voiture. Ouais. Ah oui, carrément, t'as pas de questions? Si je... Pourquoi c'est Lily qui fait les TikTok? J'ai une idée. Bon, je ferai une vidéo sur ma chaîne iGab où je répondrai à toutes les questions. Là pour l'instant on répond à rien, on répondra à tout en vidéo et puis, voilà. En fait, Gabin, je t'avais pas dit mais genre moi j'ai appris ça. Oh mais son Nutella Go elle l'a tout le temps, mais c'est un truc de dingue. J'ai un peu chaud. Attention Dodan, oulala, on l'a pris un peu fort celui-là. De partout et surtout d'en mettre en la voiture parce qu'elle est toute neuve, donc attention, ouais. Tu ralentisses pour pas que t'évites d'en mettre de partout parce que c'est surtout à toi d'essayer de faire attention parce que Lily c'est une misquette, elle en met tout le temps de partout. Sam, c'est la vie. Ok, bah concentre toi sur comment tu manges. J'ai chaud malade. Attention, ce panneau il va dire intersection dangereuse, priorité dangereuse, route qui arrive sur les côtés dangereuses. Oh purée! Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que je vous avais dit? Je vous avais dit qu'elle allait s'en mettre dessus. T'as prévu un t-shirt, un truc comme ça? Normalement, oui. Oui, t'as prévu un t-shirt, ouais? Normalement. Et bah, du coup, bah comme ça, on donnera mon pull à maman et ton t-shirt. Super, bah, maman, elle sera toute contente. Alors, Lily ne sait pas manger du Nutella Go. Et moi, je suis pas mangé mes potatoes avec ma sauce creamy de luxe. Donc, comme ça, bah, on est bien. Si on en forme une belle brochette. Regarde, on dirait que je fais une tartine. Oh là là. Enfin, oh, je sais. C'est un peu bizarre, hein. C'est un peu bizarre, mais peut-être que là, quand on a payé au McDo, ouais. La dame, elle nous a rendu des pièces, tout ça. Ça se trouve, bah, avec ces pièces-là, on pourrait payer. Une machine à laver, tu sais qu'il y a, je sais pas, je crois que là dans ce carrefour là, il y a une machine à laver. Dans le carrefour qui est pointillé là? Ouais. Ça va être galère, non? Parce qu'on a pas réussi à sortir. Bah,
On sort pas, mais ça te dit, genre, on fait ça. On va mettre à laver les vêtements. Non? Oui, c'est fou. T'en as vraiment partout en plus. On essaye. Ok, donc on arrive à la machine à laver les lits. Ça va être bien n'importe quoi. Alors, elles sont là-bas, les machines. Comment est-ce qu'on va faire? Je sais. Attends, moi j'enlève mes chaussures, on va faire une technique du coffre. Donc, on va éviter de foncer alors, sur les gens qui sont déjà. Bouge pas, parce que là sinon je me manque. Bah vas-y en plus. Donc attention. Peut-être. Ouais, non. Ouf. Tout ça pour laver deux pulls. Hein. Non, arrête là, c'est pas drôle. Ouh, mais attention derrière. Hein. Attends, mais faut que j'ouvre le coffre moi. Mais attends. L'instant qu'ouvre le coffre. T'es prête? Elle est dans le coffre, regardez, dans notre appartement. Et elle va payer pour aller... Laver? Oui. Laver 8 kilos, on n'a pas le choix. 8 kilos, lui, on a deux trucs. Sautez-vous hein. On va dire oui, c'est bien, la soupe puissante. Sautez-vous recevoir un SMS quand votre linge est prêt? Ouais. Oui, d'accord. Ouais, bon, pour ceux qui n'auraient pas compris, en fait, j'ai donné mon numéro de téléphone pour recevoir une alerte. Une alerte, en gros, pour... Tu viens mal. 5 euros pour laver deux trucs. Les amis, faut absolument que je vous montre comment elle est, mais c'est un truc de dingue. Allez. Mais où est présentée carte? Ah, mais c'est là que je suis en contact en même temps. Regardez ce qu'il est en train de me faire. Grâce alors. C'est bon, ça tourne. Soit t'as vu un reçu. Ah bah oui, attends, je veux quand même mon reçu. Hein. Aïe. Oh la cata, mais un truc de dingue. Hein. Merci. Et puis. Ah non, je recommence. C'est parti! C'est bon, ça tourne? Madame, maintenant, faut fermer le coffre. Ah, y a pas sur cette voiture, refermage automatique du coffre. Alors attends, je vais quand même essayer de fermer le coffre. Ça passe? Non. Si c'est bon. Oh là, c'est quoi cette affaire? Du coup, pour ceux qui n'auraient pas compris, ça y est, on vient de mettre le linge au. Comment? Par oui le sol. Ça y est, super! Allez, remonte! Allez, remonte, pilote! Regarde là! Donc là, Lily, nous fonçons laver la voiture parce que la voiture est à 524 km au compteur. C'est un truc énorme. Et en plus, qu'est-ce que tu fais? On se situe. On se situe à peu près à 25. 250 mètres du truc pour laver la voiture. Du coup, on va y aller. Ok, les amis, nous partons de notre petite machine à laver qui est en train de tourner d'ailleurs très gentiment. Très doucement à mon avis parce qu'il y a quand même 40 minutes de machine à laver du tournage. J'ai jamais mis autant de temps à mon avis à laver une machine à laver. Je sais pas combien de temps ça met à durer. Ah non, moi à la maison surtout. Ça dure combien de temps? Bah, une heure et demie. Ok, on voit qu'il y a l'habitude de lancer les machines à laver à la maison. Bah, c'est faux. Quand je viens là, moi laver la voiture avec maman, c'est rare. Mais tu sais ce que je fais? En fait, nous, on installe la voiture, on paye et... Sauf qu'on n'a pas le droit de descendre de la voiture. Bah oui, comment on va faire? Bah... Ça va être chaud. Comment est-ce qu'on va faire? Parce qu'en fait, là, t'as les jetons. On a les jetons. Si, je crois savoir, avance. Tiens, avance, mais genre prêt pour que je puisse juste... Mais faut pas garer la voiture directement et puis après aller payer? Si, mais attends. Attends, il y a une dame là-bas. Attends, on l'appelle. Il y a une dame. Oh là 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 là. C'est un peu plus. Parce que là, on n'y comprend rien. Là, je crois que je suis bon. Je me mets sur un point mort. On s'en fera à main et. Attends, faut appeler la dame.
Attends, mais elle a disparu. Pas si la madame. On aurait besoin d'aide, s'il vous plaît. On fait un défi, on fait une vidéo sur internet et en fait on aurait besoin d'une aide de votre part pour mettre les jetons dans le ouais, petit truc là-bas. Ouais, les jetons, parce que ça va être. Moi, je crois bien que quand j'y vais avec ma maman, en fait, on est obligé de laisser la voiture là. Et puis après, d'aller mettre les jetons là-bas. Sauf qu'en fait, nous, notre défi, c'est de rester 24 heures dans la voiture. Ok. Merci. Tiens, donne-le à la dame. Merci beaucoup. Oh, merci beaucoup aux gens qui sont comme ça, très très gentils, très très aimables. Donc du coup, on va laisser la voiture, on coupe le contact, ça sert strictement à rien. Et nous sommes repartis. Attention, quelle heure c'est? Parce que notre truc, ça fait bientôt 10 minutes que notre machine est en train de tourner. C'est énorme. Oui, c'est énorme, ça fait bientôt 10 minutes, ça fait exactement 7 minutes 30 que notre truc... Le truc. Et d'ailleurs, on avait vécu une voiture sans permis. Du coup, c'est une voiture qui est plutôt... Mais... What? C'est une voiture qui est plutôt... Ah non, si, ça l'a vraiment. What? What is it? En fait, ça... Ah! Oh là 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 là! Oh! C'est vivant quand même! C'est quoi ce truc? Oh! 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 On est par monter la fenêtre, ça a tout coulé. Oh là là, mais qu'est-ce qu'on est. Accident. Oh, oh, ça fait peur. Oh. Et là, ils vont sécher. Oh my god. C'est même plus un sèche-cheveux là. Mais t'imagines le truc qui rentre dans la voiture? Moi, je suis pas très serein là. Oh, c'est stylé. Mais what? Ça m'a mis plein de trucs là. Des marrons, les essuie-glaces. Si vous avez une XAM, si vous avez une voiture sans permis, peu importe, faut tester le lavage automatique. C'est très spécial, plutôt drôle, très surprenant. C'est en mettre partout. Tout voilà, à fait. Et pensez à fermer les fenêtres. Et c'est amusant. Mal. Attends, mini story time. Il y a, en fait, comme on vous a dit, on n'avait pas tout à fait fermé la fenêtre. Du coup, ça en gros, ça a mis un peu d'eau, donc l'île essuyait. Et avant, c'est bizarre. Je reparlais du sujet comme quoi c'était pas tout à fait hyper bien fermé et tout. Qu'est-ce que je fais? Bah, hop, je laisse comme c'était et tout. J'ouvre la fenêtre, mais genre juste pour ouvrir. J'ouvre et je referme. Mais Lily, qui en même temps touchait, elle s'est coincée le doigt dans la fenêtre. Mais moi je pensais pas du tout à ce qu'elle allait mettre son doigt dans la fenêtre. Oh là, j'ai juste regardé comme ça, après j'ai remonté, elle avait son doigt dans la fenêtre. Heureusement, plus de peur que de mal. Sur ce, nous sommes prêts à repartir. Ok. Donc là, je fais un petit détour, je sais même pas pourquoi. Hop. Donc là, on appelle maman. Oui, allô? Ouais, maman? Ouais, coucou, ça va? Ça va et toi? Ouais, vous en êtes où? Là, on arrive dans 10 minutes à la maison, faut pas que tu t'inquiètes, on a pris pas mal de temps, on a fait le lavage de la voiture, on a fait plein de trucs, donc ne t'inquiète pas, on arrive à la maison dans 10 minutes. Bon, et tout s'est bien passé? Tout s'est super bien passé, t'inquiète pas. Bon, bah ok, à tout de suite, bisous! À tout de suite, bisous!